tout le monde, on a été faire une petite virée shopping et je vais vous montrer du coup ce qu'on a trouvé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 21 mai et il est à peu près 18h. On vient de rentrer, alors du coup, bah, je serai habillée comme le tri make-up, mais c'est pas très très grave hein, puisque ce matin, j'ai donc fait la vidéo, le gros tri make-up, donc c'était une grosse vidéo. Et puis après, on a décidé tout simplement d'aller se balader un petit peu. Là, on est dans mon salon, comme ça, voilà, je suis un peu plus posée. Parce qu'en haut, bah, tout est un petit peu fermé avec la chaleur. Hier, on a eu beaucoup moins de frais, enfin beaucoup moins chaud. On a eu des orages et de la pluie, ça a rafraîchi. Donc, on a quand même passé une nuit un peu plus sympathique que les autres nuits. Et là, du coup, on était faire un petit tour. Un petit peu plus loin de chez nous, du côté où on n'a pas trop l'habitude d'aller, donc vous avez Doudou qui est là. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, parce que comme je vous l'avais dit, du coup, je vais habiller mon fauteuil. Je vous l'ai montré du coup dans le vlog, le fauteuil qu'on avait trouvé gratuitement derrière un magasin. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, on a trouvé un magasin qui s'appelle Jysk. Je connaissais absolument pas, Jysk, voilà, je pense que c'est peut-être qu'en France, je sais pas, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de Belges qui me regardent. Et le magasin payait pas trop de mine, il y avait marqué en plus dessus literie et meubles, donc en général c'est un magasin où personnellement je ne vais pas. Et il y avait un côté déco, et j'ai dit à mon chéri, ah, on va aller voir, il y a marqué déco, donc voilà, autant aller faire un tour. Et franchement, il y avait des trucs assez sympas. J'ai pris déjà un petit panier comme ça, c'est un genre de. Bah, c'est une petite panière, mais en plastique, quoi, vous voyez, en rose poudré comme ça. Les teintes dans ce magasin étaient vraiment sublimes. J'ai le ticket de caisse, donc c'était 2,46 €. Ouais, c'était 2,46 €. Mon chéri a refait la terrasse, donc je vous montrerai ça prochainement dans un vlog. Et du coup, il voulait rajouter des petites boules comme ça à pile, hein, c'est des guirlandes. Donc il en a pris deux parce qu'elles étaient au prix de 3,50 €. Et franchement, ça va parce que moi, celle que j'ai achetée en haut pour mon coin bureau, je l'avais achetée à Maison du Monde, le double, je crois. Donc voilà, donc, du coup, il en a pris deux dans ces teintes-là. Et c'était 3,50 € unité. Franchement, c'est pas très cher dans ce magasin. Et du coup, comme je vous avais dit dans le vlog, le coussin, ça n'allait pas du tout là. Bon, c'était un coussin que j'avais pris, j'avais mis en attendant. Et je voulais me racheter un coussin du coup pour le fauteuil. Et même des fois quand je filme, je suis obligée de me grandir un petit peu parce que mon coussin, du coup, le fauteuil est un peu plus bas. Et du coup, on a trouvé, voilà. Parce que comme c'est un fauteuil on dit type crapaud. Du coup, voilà, vous avez un arrondi au fond en fait, et du coup, on est parti sur ce modèle-là, super beau. Franchement, ils ont des choses de très bonne qualité. Donc, vous voyez, vous avez un côté avec des stries et l'autre côté, ah, je vais me mettre l'étiquette dans l'œil, comme ça, et c'est du velours rose. Il existait aussi en gris, et en plus, il était en promo. Donc, il était en promo à 9 € au lieu de 12 ou 13, je ne sais plus. Franchement, c'est un magasin, voilà, dites-moi si vous connaissez ce magasin et. Mais je ne connaissais absolument pas et franchement, j'ai trouvé des belles petites choses. Il y avait aussi la farfouille à côté, donc j'ai réussi à trouver une petite couverture. Parce qu'à Gisque, les couvertures étaient un peu plus chères. Voilà. Puis il n'y avait pas forcément ce que je voulais. Et moi, comme je vous avais dit, je voulais voilà, quelque chose d'hyper fin, juste pour habiller en fait. Parce que comme il y a deux, trois petits défauts dessus, et puis c'est pour que ça aille voilà, avec l'ensemble. Et j'ai pris du coup une jetée de canapé en 125-150. Avec des petits froufrous, mais c'était surtout rose poudré. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir habiller mon fauteuil. Donc, je suis très, très, très contente. Et du coup, on est tombé sur un. Donc, enfin, à la base, c'est pour ça qu'on y allait. Pour aller faire un tour au Stokomani. Comme vous savez, j'ai pas de Stokomani à côté. Donc, voilà. On a fait un petit peu de kilomètres, entre guillemets. Donc, je vais décaler ce que j'ai et je vais vous montrer. J'ai le ticket. Donc, je vais essayer de vous donner les prix en même temps. Désolée du cadrage approximatif. C'est le week-end, hein, normalement je suis en congé. Donc, nous avons trouvé, il y avait plein de choses, il y avait les box que j'avais vues du coup sur YouTube. Je les ai pas prises parce que, heureusement je les ai pas prises parce que en fait, voilà, il n'y avait pas. Les box, c'est un peu comme les calendriers de l'Avent, j'aime pas spécialement ça. Même j'aime bien le concept, mais je les achète pas.
Parce que, en fait, voilà, vous avez toujours presque la moitié des produits qui ne vous plaisent pas. Voilà. Donc, je préfère dépenser de l'argent en achetant quelque chose que je veux vraiment que d'acheter. Après, c'est ma façon de faire. Hein, je ne critique pas du tout les box. J'aime bien le principe, même le calendrier d'avant, voilà, d'avoir la surprise. Mais en général, voilà, je sais que je ne vais pas utiliser la moitié des produits, donc ça sert strictement à rien. Donc, j'ai trouvé, enfin, on a trouvé un mire comme ça. Donc, c'est un liquide vaisselle fleur de lotus. Et avec des ces secrets précieux de perles super dégraissants. Et vous avez des petites perles comme ça. Franchement, voilà. Le packaging, il donne vraiment envie. Et en général, de toute façon, les liquides vaisselle Mir fonctionnent très très bien. Ensuite, j'ai pris une. Il y avait plein de crèmes Diadermine. Il y avait du Uriage. C'est vrai que, franchement, Stokomani, c'était la deuxième fois que j'y allais. La première fois qu'on y est allé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'arrivage. Et là, il y avait plein de choses, donc c'était hyper intéressant. Il y avait même des déstockages de My Little Box. Donc, vous aviez les My Little Box, en fait, en déstockage. J'ai pris de la marque Diadermine. Parce qu'en ce moment, du coup, j'essaye de m'acheter des produits aussi en soins de nuit, parce que j'en ai pas du tout. Et donc, c'est Derma Beauté, soins hydratants, jour et nuit. Hydratation longue durée, protège et équilibre la peau. Voilà. Et c'était au prix de 4,99 €. J'ai déjà testé une fois Diadermine. C'est un produit que. C'était un masque de nuit que j'avais trouvé à Noz. J'avais beaucoup aimé la marque et du coup, je me suis laissée tenter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup. Il y a du Nivea. Enfin, vous avez plein de. Je l'ouvre par le fond parce que c'est pas du tout pratique à ouvrir. Hop. Donc, c'est un petit pot comme ça. 50 millilitres, voilà. Donc, de toute façon, je vous en redirai des nouvelles, mais c'est plutôt cool. Ensuite, je me suis pris un. Il m'a fait de l'œil. Clairement, il m'a fait de l'œil. Un organisateur cosmétique, c'est quelque chose, vous savez, qui est rotatif. À 7,99 €, il y avait le prix dessus. Voilà, comme ça. Donc, je vais voir un petit peu, je vais le monter, et puis, de toute façon, je vous en reparlerai en vlog, mais je pense que ça va être plus pratique. Je pense que ça va être hyper top. Ensuite, j'ai un sac comme ça, mais pourquoi faire. Et plein de petits bonbons de Les Gourmands, donc on était contents. Il y avait des petits bonbons comme ça, ceux-là on les trouve jamais, nous. Ça pique un petit peu. Je crois qu'on en a pris deux ou trois paquets, je ne sais plus. Il y en a deux et il y en a trois. Ouais, du coup, et ils étaient au prix de 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Je regarde en même temps, excusez-moi. Ouais, ils n'ont pas mis le prix à l'unité, mais oui, c'était 1 euro, quelque chose comme ça. Ensuite, il y avait des petits bubblegum comme ça. On adore les trucs qui sortent un peu de l'originalité. Et ça, c'était 1 euro et quelques aussi. Stokomani, par contre, je sais pas, ils mettent pas les prix à l'unité sur les tickets. Bref, je crois qu'on en a pris deux, c'est pour ça. J'ai pris une bombe de bain. C'est un peu la même version que Action. Donc, comme ça, je vais pouvoir tester la différence. S'il y en a une, il y a marqué Bubble. Alors, Bubble Time. Donc, on verra si cette fois-ci, il y a vraiment des petites bulles ou pas. Bon, on est en vlog. Hein, donc, j'entends des messieurs en arrière-fond. Donc, je disais, il est au prix de. Tablette de bain, ça doit être ça. 2,99 €. Voilà. Il y avait d'autres senteurs, mais je ne sais pas trop. Ensuite, pour les petits chats, on en cherchait. On a pris des petites gamelles comme ça parce qu'on leur donne tout le temps le pâté dans des petites assiettes. Du coup, les gamelles, ça va être plus pratique. Et en plus, c'est des petites formes de chat. Il n'y avait qu'un en rouge, donc on en a pris 4 hein, parce qu'on a 4 chats. C'était 99 centimes. Donc ça, c'est vos petites gamelles, les loulous. Pour le pâté, ça va être plus simple pour eux. Ensuite, ah, il y avait encore. J'ai trouvé mon déodorant Sanex. Alors, il est beaucoup moins cher. Il est à 2,49 € à Stokomani, alors qu'en magasin, il est à 4 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'en ai repris un d'avance. Je suis trop contente. Et pour finir, j'ai deux petites choses. J'ai pris une petite pochette comme ça. Trop mignonne! Elle était au prix de 2,99 €. C'est une petite pochette chat comme ça, rose poudrée. Il n'y avait rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de surprise dedans. Elle est trop mignonne. Et pour finir, j'ai trouvé ça. Il y avait des coffrets du maquillage, je pense, spécial Fête des Mères. Donc, Pretty Maman.
Et j'ai pris le coffret. J'ai pris le coffret. Alors, il y avait une palette, il y avait un kit de gloss. Et du coup, j'ai pris ça. J'ai pas pris, bien sûr, mes ciseaux. Je vais l'ouvrir. J'ai trouvé trop mignon, comme ça. Elle a accroché. Ah ouais, elle a accroché. Alors, attendez, j'ai pas ouvert du côté. Merci, monsieur. Donc, je trouve ça trop mignon. Donc, vous avez une petite trousse comme ça. Et donc, à l'intérieur. Ah oui, ils ont vraiment tout mis pour pas qu'on. Ça, c'est bien par contre. C'est pratique. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est pas ouvert. Alors, c'est trop petit. Ah oui, c'est des mini formats. Oh, bah. Je sais, j'en fais tomber déjà. En fait, vous avez alors deux petits gloss comme ça. Je sais pas si vous allez très bien voir la teinte parce qu'ici, j'ai pas mis mon anneau. Un petit gloss comme ça. Trop mignon. Ah bah ça c'est bien, en plus c'est en format mini, donc ça sent rien de spécial, ça va être bien pour les finir. On a un petit rouge à lèvres comme ça, je trouve ça trop mignon. Oh, la couleur est, ça sent bon, la couleur elle est sympa. Bon, après c'est pas de la qualité de foufou, mais bon, c'est pas très très grave. On en a deux autres, d'autres teintes. Donc on a celui-ci. Ouh, il est joli celui-ci. C'est des gloss après. Ils sont bons, ils sont pas trop, ils sont pas opaques, hein. C'est vraiment des petits gloss. Je sais même pas si vous le voyez vraiment. Et un autre petit rouge à lèvres un peu plus rosé comme ça, satiné. Je trouve ça trop mignon. Et on a deux petits, oh c'est trop mignon. On a la petite palette de, ah oui c'est vraiment une petite palette, c'est trop mignon je trouve. Donc on a un fuchsia, un petit rosé, et on en a. Ça, c'est vraiment la mignonnerie, mais franchement, c'est trop mignon. Excusez-moi. Et on a un petit blush comme ça. Oh, il est beau, regardez-moi ça. Oh, les blushs, moi j'ai un problème avec les blushs. Il est trop beau, je trouve ça trop mignon, un petit idée cadeau comme ça. Voilà, petit coffret avec deux gloss de rouge à lèvres, et une petite palette et un blush dans une petite roussette comme ça. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, et ça c'était au prix de. C'était au prix de. Je sais pas trop. Trousse à maquillage. 2,99 €. Ah oui, c'est parce qu'en fait ils mettent les prix au-dessus. Oh, d'accord. Donc les sachets de bonbons acidulés, ils étaient à 1,49 €, ceux-là. D'accord, j'avais pas compris leur système au niveau des prix. Les gamelles, 99 centimes. Les chewing-gums Dino, comme ça, ils étaient à. Les chewing-gums Dino, ils étaient à 1,49 € aussi. Voilà. Et du coup, 2,99 € les petits. Et il y avait une grande palette aussi, mais on ne les a pas pris. Voilà. Bah, franchement, je suis trop, trop, trop. Ah, mais je ne vous ai pas dit aussi. On a pris une recharge comme ça. Parce que comme on a un pousse-mousse, vous savez, pour se laver les mains, un pousse-mousse en verre que j'avais acheté à Action. Bah, du coup, maintenant, on a juste besoin d'acheter des recharges. Mais alors, la recharge Dove, elle est à. Vous entendez, monsieur? 1,99 €. Voilà. Et c'est. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est voilà, c'est hyper pratique. Et ça coûte moins cher. Et j'y suis bien sûr allée avec mon petit pochon Emma. Voilà, ça m'a bien servi. Voilà un petit peu. Puis du coup, voilà, le packaging est derrière. Du coup, vous aviez le spoil, mais je ne voulais pas vous le montrer. Voilà un petit peu. Donc, on va manger un petit bout. Je vais ranger tout ça. Et puis voilà un petit peu pour la journée. Du coup, il y a un grand soleil encore. Et puis voilà. Voilà. J'ai été contente. Comme ça, je vais pouvoir habiller mon fauteuil. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et puis voilà. Et voilà du coup ce que ça donne le rendu. Bah écoutez, je suis très 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 contente. Après, de toute façon, ça va se faire. Alors, je sais pas si je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Parce que vous voyez, du coup, là, en fait, ça fait un angle. Et comme ça, je serai un peu plus haute. Donc, c'est cool. Regardez pas le bazar. C'est un peu le bazar partout, du coup, mais ouais. Je suis trop contente. Et du coup, on va monter ça ensemble. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, on va monter ça ensemble. Voilà. Je me mets comme ça, c'est plus pratique. Alors.
Donc déjà, on a des trucs en... Est-ce que je vais arriver à monter ça? Il n'y a même pas une notice. Je prends le carton en modèle. Je mets le carton comme ça en modèle. Alors déjà, je pense que ça, c'est le pied. Vous voyez, les rotatifs, ça, c'est cool. On a ça. Bon, attendez. Voilà. Ok. Ça va pas l'air très compliqué quand même. Il y a un deuxième socle au-dessus. Tout le monde en a et ça m'a donné envie du coup. D'en prendre un. Je peux les y encore des trous. Je suis pas sûre de... Parce que là, il rentre pas dedans. Il rentre pas dedans. Ça, c'est un peu comme les meubles. Mais à mon avis, c'était peut-être dans l'autre sens. Attendez. Donne-moi ça. Peut-être dans ce sens-là. Je suis pas sûre qu'il y ait un sens. Peut-être qu'il faut commencer plutôt par le haut. Ça devait être simple. Le problème, c'est quand il y en a un qui rentre, l'autre ne rentre plus. Ah, là, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Voilà. Appuie. Attends. Je suis venu, je peux y aller du tout. Du coup, ça décroche les autres. C'est une partie. Non, il est trop gros. En plus, je suis quelqu'un de très patient. Bon, je vais essayer de faire ça et je vous retrouve après. J'y suis arrivée. Donc voilà. Ensuite, là. On a des petits trucs comme ça. Il y a toujours des pièces que j'utilise pas quand je monte des trucs. Ah oui, en fait, c'est bien. Après, vous pouvez le mettre comme vous voulez, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais mettre quoi dessus? Hop, avec mon petit coussin. Bah, je vais mettre peut-être mes soins. Je sais même pas où je vais le mettre en bout là, je pense. Voilà.
Voyez, je vais mettre mes soins de nuit là. Mes petites brumes là. Oh, ça c'est cool ça. Petite crème, petit sérum. Ouais. Ensuite. Et en fait, après, vous pouvez vraiment le mettre dans. En fait, vous avez des plein de petits trous, vous mettez vraiment comme vous voulez en fait. C'est vous qui le créez vous-même, c'est plutôt cool. Par contre, faut pousser. Par contre, j'ai toujours pas compris les petits ronds. J'ai des petits ronds plastiques comme ça. Mais... J'ai toujours pas compris. Quoi. Je ne sais pas. Là, j'ai mes petits. Là, je vais mettre ça, mes petits cotons-tiges. Ouais, c'est beau. Bah, du coup, je peux mettre mes petites toupettes. Enfin voilà, vous avez compris du coup le principe. Donc voilà, j'ai réussi, je suis plutôt contente. Résultat. Je vais me décaler. Hop. Voilà, et bah c'est encore plus épuré et ça c'est bien. Je suis contente comme ça quand je fais mes hauls. Et ben bah, j'ai de la place. Comme quoi, hein, un petit truc comme ça, et bah, ça fait toute la différence. Voilà un petit peu. J'espère que ce petit vlog shopping, montage, petit relooking de mon fauteuil vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, c'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.